Mon assistant, le technicien, là, celui qui est en train d'enregistrer. Oui. Bon, Samuel, tu m'as fait grande joie, un grand plaisir de par le truchement de ton arrière-grand-mère, de ma kéké, pour me demander son nom de famille ou son nom. Mais kéké, c'est son nom. Et comme je te disais, c'est l'excellente grand-mère. Et de fil en aiguille, il y a des réactions. Et à l'avant-première, je voudrais te parler maintenant de l'arbre généalogique. Je disais que mes quatre fantastiques ne s'y intéressaient pas. Mais en fait, je constatais qu'ils s'y intéressaient, ta maman, tes Marseba et ta tata. Mais seulement ce que je voulais, c'est qu'ils maîtrisent une langue, notamment le français, pour aller plus loin. Parce que s'ils n'avaient que les Tshiluba, le Lingala, je ne sais pas à quelle perspective j'aurais dû avoir. C'était mon choix, comme je l'ai dit. Le temps vient maintenant. Tu l'as demandé et je vais te lire en résumé ce que c'est que ce qu'a été, du moins côté Kaku, l'arbre généalogique. Je me rappelle qu'en 1999, Maseba Okem m'avait offert un arbre généalogique vide à remplir côté papa, côté maman, d'après ce qu'il disait. Côté maman, donc côté sa maman, côté grand-mère, je ne saurais pas le dire. Je sais quelque chose, mais c'est un peu plus compliqué parce que les cousins, je ne sais pas moi, c'est un peu trop vaste chez eux, donc je ne peux pas condenser ça. Mais je te dis, côté Kaku, voilà ce qui se passe. Alors, j'ai écrit, je vais te lire un peu ce que j'avais écrit. 1er janvier 1999. Nos quatre fantastiques offrent à leurs parents un cadeau original. Un arbre généalogique vide. C'est à remplir côté papa, côté maman. Ordonne-t-il amusé. Agréable surprise pour ce papa qui revient fraîchement de son Benakabamba natal, dans son Kasaï oriental, après 33 ans d'absence. Et l'arbre devient ce livre, parrainé par ces trois maîtres qui me réapprennent à lire, à me lire. Télésphore Mamba, mon grand frère, mon frère aîné. Mukulumpa Kanyinda Bululu, le chef Évariste Kalonji Munene, Fumwa Benaknyoka, Mundamwa Benakabam. Au-delà de ces hommes, ce petit livre est aussi le fruit de quantité de faits et événements, d'intuitions et réflexions, d'hypothèses et de recherches, de lectures et de rencontres, de conformisme et d'insolence, auxquelles s'ajoutent les réminiscences d'une enfance et d'une adolescence kaséienne. La curiosité, le chercheur universitaire et surtout l'expérience pratique de président de Tchankaya durant plus de 2 ans à la tête d'un comité représentatif des Balubalubilangi de la diaspora française. Le secrétaire de ce comité, Jean-Marie Kabale Kalonda, trouvera dans ce rappel un aspect de notre réciproque découverte en prélude de nos actuels et interminables échanges sur nos familles, sur l'éducation de nos enfants. Bon, ça c'était comme une sorte d'introduction. Quant à mes quatre fantastiques pour qui je signe cette dédicace, ils savent, vous savez mes chéris, déjà, que vous êtes des Africains,
de Congolais, de Baluba, de Benekabamba. Mais ce jour de l'an 99, votre cadeau exprime le désir d'en savoir davantage sur vos repères généalogiques. Ce livre, donc ce petit livre, a pour but de combler votre désir en répondant opportunément à la vieille question de votre aîné, Cécile Béatrice Nangawagne. Quelle était ta question, ma chérie? Voilà, tu disais ceci. Papa, où que j'étais quand j'étais pas né? Papa, où que j'étais quand j'étais pas né? Formulé à Dijon quand tu n'avais que 3 ans et demi. Alors maintenant, écoutez, où que tu étais, où que vous étiez quand vous n'étiez pas né. Alors, j'écris comme ça, tel que c'est venu. Hein, Samuela, tu vas bien écouter. Maman Cécile Béatrice Nangawa Kabula. Tatu Hermès Karel Mulumba Kazumba. Nkambo Wanyi Nkengela Mwanza. Omo Kenge Nkengela Mwanza. Kaku Wanyi Irène Marie Ndai Kanyimba. Voici, côté papa, où vous étiez quand vous n'étiez pas né. Plus immédiatement, vous montez de Chibang Albert et d'Angèle Omokenge Lutuyole. Mais plus loin, beaucoup plus loin, vous étiez en puissance dans la succession ci-après. Chibang Albert, frère cadet de votre papa Mwamba Télésphore. Ça, c'est numéro 1. 2. Nous descendons, Télésphore et moi, de Mulumba Kazumba Joseph et de Nanga Wakabula Marie-Béatrice. Plus loin, Chibang Kamwanga et Mpemba Chimbaï, les enfants de mon papa, Mulumba Kazumba, et de maman Nangawa Kabula. 4. Plus loin, Nkengela Mwanza et Kafinga Ntumba, Mukwanga, Mukwanzevu. 5. Donc vous constatez bien que nous allons à reculons dans l'arbre généalogique. 5 donc, Mwepu Mulumba, d'où on nous appelle Bena Mwepu. 6. Mukendi Nyoka, d'où on nous appelle Bena Nyoka. 7. Bena Kabamba, ou plutôt Kabamba, d'où on nous appelle Bena Kabamba. 8. Lukusa, où on les appelle Bakwalukusa. 9. Kalonji Kabulampuka, et on les appelle Bakwa Kalonji Benampuka. 10. Kalonji Milabi, on les appelle Bakwa Kalonji Tuko. 11. Kalonji Mpunga Chitandai, qui est notre ancêtre venu chercher son frère du Katanga où ils étaient, qui était descendu par mésentente avec son jeune frère vers le Kasai, Kalonji Milabi. Donc Kalonji, je disais, 11 Kalonji Mpunga Chitandai, dont je viens de parler, qui vient du Katanga à la recherche de son grand frère au Kasai. 12. Chimanga Luasambuta, parti rejoindre son frère, toujours au Kasai,
Kasongo Kadimbi, c'est lui qui a ouvert la voie vers l'exode, parce qu'il s'était chamaillé. Mulopo Kasongo, Yunakabamba. 15, Ilonga Liu. 16, Ilonga Mbidi. Kalala Nkola Wakudiba, fondateur de ce qu'on a appelé l'Empire Baluba, deuxième Empire Baluba. Ensuite, 17, Mbidikilue. C'est qui Mbidikilue? C'est une origine mythique des Baluba. Mbidikilue, seigneur et chasseur venu des environs du lac Tanganyika. Ce monsieur répondit à Bulanda, fille de Ilunga Kahatwa et d'Endai, qui le découvrit médusé et qui dit pour la première fois Ndimuluba, d'où le nom Baluba. Voilà Samuel Manomulong, d'où nous venons, d'où vous venez. Alors, ce qui est important ici, c'est que je l'écrive en Tuluba. Mais pour cela, peut-être quand on va bientôt se retrouver à Paris pour Noël, je vais te le dire en Tuluba, mais tu ne comprendras pas. Mais comme maintenant tu es en contact au moins avec les lingalaphones en tant que léopard, jeune léopard, peut-être tu auras un effort à faire comme Tatata dit, et par toi, mes huit super fantastiques sauront plus ou moins ce qui est votre arbre généalogique côté Kaku. Donc ça va de nous, numéro 1, jusqu'au 17, le mythique Mbidikilue. Donc je suis très très heureux de pouvoir te parler aujourd'hui. En tout cas, je mets toujours en contribution mon compagnon, mon complice, qui est celui qui prend cette image-là. Je suis très très heureux. Donc, tout ce que je sais là, je le sais un peu comme ça. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, on restait à côté de... Oh là, on restait... Non. On restait à côté des vieux qui nous parlaient comme ça chaque soir. Et puis après, on va jouer, on va s'amuser. Et on revenait le lendemain, chaque soir, avant de dormir. Et c'est comme ça que j'ai appris l'histoire de notre généalogie. J'ai suivi ça maintenant parce que j'ai mis par écrit. Mais ça se retenait tout seul dans les jeux. Alors, je te dis toute ma tendresse. Hein? Voilà, sur ton front, je signe de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est. Je t'aime. Ma grande dame, merci de ta réaction, et je le désire vivement que tout ça se passe maintenant qu'on est calme, parce qu'à cette période là, quand vous grandissez, on n'était pas du tout calme, du tout, mais on faisait tout pour que vous puissiez apprendre et puis venir. Le temps arrive maintenant. Je remercie celui qui a maintenu mon existence et j'aime encore en profiter le plus longtemps possible, et ce sera le plus longtemps que je le désire et que je le veux pour vous-même, mes quatre fantastiques. Et pour vous, mais oui, super fantastique. Je vous aime très tendrement, vous, vos parents, vos mamans, vos papas. Merci.